seigneurial, nous obligeant à mettre un terme aux dernières récoltes automnales. Le climat rigoureux nous soumet à notre destinée de travailler du lever au coucher tous les jours de l'année. Mais personne ne se plaint, tout le monde est serein. De par notre collectivité est née une solidarité. Et malgré la misère que nous devons tous les jours endurer, un équilibre semble régner. Ma femme s'occupe des enfants alors que je travaille au champ. Malgré mon labeur harassant, la famille se porte fièrement. Ici, rien n'est gaspillé, on a ce qu'il faut pour manger. Mais le soir, avant de m'endormir, souvent je lâche un soupir, puis je me dis que ça pourrait être pire. À chaque matin, c'est pareil, je me lève et je regarde par la fenêtre. Se lève au loin le soleil, soudain je vois le jour renaître. D'un coup, mon esprit s'éveille, et une question revient sans cesse. Suis-je heureux dans cette galère? Peut-être un jour, je l'espère. Fiché, j'ai pas encore pris rendez-vous pour faire changer mes pneus. Un matin, je me sens courbaturé et c'est pas surprenant. Je travaille tellement, je pense 40 heures par semaine devant un écran. Je fais des crises d'anxiété, je suis médicamenté, pourtant j'ai la santé. Loin d'avoir des problèmes financiers, mais j'ai de la misère à m'avouer que malgré tout ce que j'ai, je me sens déséquilibré. Ma vie est centrée sur moi, comme ça je peux faire mes propres lois. L'avènement de la technologie